interview en français pour le website de Jazzy Jam avec Julie Compiche de Orioxy. Qu'est-ce que ça veut dire, Orioxy? Alors, Orioxy, c'est originalement, on a trouvé le nom en pensant à mélanger l'Orient et l'Occident. Ça fait Orioxy. Après, Orioxy, c'est devenu nous, en fait. C'est devenu le groupe. Voilà, l'origine. Et l'origine. Comment est-ce que ça se traduit dans votre musique? Orioxy, c'est toujours en recherche. C'est quelque chose qui j'espère, s'arrêtera jamais. C'est en évolution constante. Mais je pense qu'on peut le définir que c'est dans le décalage, dans le fait de mélanger des extrêmes, autant des choses très intimes que des choses très sauvages. Et ça, c'est une des caractéristiques. Sinon, il y a... En fait, les compositions sont soit de moi, soit de Yael Miller, la chanteuse. On lead ensemble le groupe. Et nos deux écritures, elles partent d'une même intention de... Souvent de décrire une réalité dans sa simplicité, c'est-à-dire que de pas... Et souvent dans la réalité, il y a les extrêmes, en fait. Okay. C'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est le mélange du noir et du blanc. Et je pense que Orioxy, c'est ça. C'est ça. C'est, Orioxy, c'est la batterie et la harpe. Voilà. Deux choses qui sont... Exactement. Comment est-ce que tu as pensé de mettre la harpe dans le jazz? Qu'est-ce que tu vois? Alors, je n'ai pas pensé à mettre la harpe dans le jazz. J'étais harpiste et j'ai voulu faire du jazz. Et du coup, j'ai mis la harpe dans le jazz. Et ça m'a... Mais après, moi, j'ai pas la prétention de tout faire avec la harpe. Il y a des choses comme le bebop, up-tempo, très compliqué. Il y a des gens qui arrivent. Ils sont pas beaucoup dans le monde, mais il y a des gens qui arrivent. Moi, j'essaye mais pas. Enfin, moi, j'étudie cette musique, mais voilà, c'est pas la base de ma direction artistique. Donc voilà. Bah, comme on n'a pas beaucoup d'harpistes dans le jazz, est-ce que tu t'inspires plutôt des pianistes ou bien des guitaristes? Parce que là, c'est le domaine de l'instrument que j'ai le plus relevé, c'est le saxophone. mais sinon, j'écoute pas mal de pianistes, pas trop de guitare en fait. Mais par contre, pour l'étude, par exemple des voicings ou des choses comme ça, les voicings de guitare marchent souvent mieux à la harpe que les voicings de piano. Parce qu'en fait, à la harpe, il vaut mieux avoir des voicings ouverts. Et les pianistes, ils ont plutôt des voicings fermés, et les guitaristes, des voicings ouverts, en fait. Mais voilà, il faut inventer, en fait. Merci bien, c'était fantastique. Merci.